Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de petites choses dans le rayon saison, donc ce qu'on peut apporter avec nous en vacances, pourquoi pas. Voilà, ça va être la thématique de cette vidéo. Donc déjà, ici, on a les tentes de plage. Donc celles-ci, elles sont assez grandes, hein. C'est 1,80 m par 1,25 m. Et 83 de haut à 9,95 €. On va retrouver plusieurs couleurs. On retrouve du rouge, du jaune, du bleu et du vert aussi. Et voilà, on a quand même pas mal de couleurs ici. Donc pour 9,95 €. Ça, c'est nouveau, sac de couchage de personnes, si ça peut vous intéresser. 225 par 150 à 19,95 €. On a également cette tente pop-up double paroi en nouveauté récente de la marque Froyac. Je sais pas si vous la voyez bien ici en photo, comme ça peut-être. Donc elle mesure 2,40 m par 1,55 m, elle est vendue à 34,95 €, celle-ci. Je vois du rouge et du bleu. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je vois que là, certaines personnes les ont ouvert. On a les nattes de plage, ça c'est trop bien. Anti-sable, elles sont assez grandes, hein. Donc il y a du jaune, il y a du vert, du rose. Vous voyez, en fait, c'est doublé. Hein. C'est bien doublé. Et au niveau des coins, des angles, on va retrouver un petit crochet, enfin un petit anneau comme ça. Donc là, vous pouvez mettre des petits crochets. D'ailleurs, on peut utiliser, pourquoi pas, j'avais vu où ça. Alors, je sais pas si ça peut fonctionner ici avec les des piquets de tente. Là, il y en a plusieurs, il y en a 8 pour 99 centimes. Donc je reviens sur le prix, là c'est 4,99 €. Ça aussi c'est trop trop bien. Il y a des pieds de parasol. Donc ça a vissé en fait. Hop, au niveau du sable. Celui-ci il est cassé. Ça se présente comme ça. Donc là vous mettez votre parasol et vous fixez votre parasol. Comme ça en cas de tempête, de vent, ça ne s'envolera pas. Parfois il y a souvent, même souvent, du vent à la mer et parfois les parasols s'envolent ou se retournent parfois. 99 centimes. Alors après on a ces petites nattes de plage, celle-ci, bon je dis petite mais en soi c'est assez grand. 1,80 m par 60 à 1,57 €. Ici on a les chaises de camping. Hop, les petites chaises à déplier facilement. Alors s'il n'y a pas une petite photo pour vous montrer ce que ça donne. Peut-être par là. À 9,95 €. Vous ne pouvez même pas voir. Vous savez, c'est vraiment les petites chaises classiques hein, qu'on plie. Et généralement, c'est 110 kg. Enfin, j'en avais acheté ici l'année dernière. Charge max, c'était 110. Voilà, il y a une petite image là. Voilà, charge maximale, 110 kg. Je reviendrai de ce côté-là juste après. Je vais vous montrer tout ça. Là, je continue vraiment dans le rayon saison. On peut retrouver les glacières. Alors, les glacières, ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, en ce moment, je ne vois que ce modèle-là. C'est les glacières électriques. Donc, 22 litres à 29,95 €. Et là, ça, c'est pas mal aussi à avoir hein, quand on part en voyage. Si vous avez une glacière classique, je dirais, ça, c'est important, c'est bien. Il y en a deux éléments réfrigérants, deux de 200 ml à 79 centimes. Après, on a ceux-là, donc là, il y en a deux de 400 ml pour 1,04 €. Là, c'est des supports à glaçons, 2,49 €. Bon, on ne va pas les emporter avec nous en vacances, normalement, ceux-là. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de valise, ça part assez vite. Hein. Franchement, les valises... Par contre, je n'ai pas compris pourquoi cette année, il n'y a pas autant de choix que d'habitude. Dans le rayon valise, il y a tout le temps des valises normalement à cette période-là. Bon, là, il n'y en a pas trop. Mais ils en mettent de temps en temps et ça part. En tout cas, dès que je vois des valises, je vous les montre. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui recherchent des valises. Voilà. Ici, on a un petit set de pochettes. Enfin, c'est une petite pochette avec 7 pièces à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien. Quand vous partez en week-end ou même en voyage. Au lieu de trimballer avec vous la grosse bouteille de shampoing, de gel douche, d'après-shampoing ou bien des soins cheveux. Voilà, vous pouvez les mettre directement à l'intérieur. Ce sont vraiment des petits flacons à remplir soi-même à 99 centimes. Surtout quand vous partez en week-end ou une petite semaine, ça peut être pas mal. Sachant que si vous prenez l'avion et tout, en cabine, c'est pas autorisé hein, les gros flacons. Donc ça peut être plutôt pas mal. Et là, dans ce rayon-là, donc dans le rayon
voyage, on a pas mal de choses. Ici, on a le calnuc avec... en fait, il y a un masque, je n'avais pas fait attention l'autre fois. Il y a un masque pour les yeux, vraiment très très agréable, super doux et très très confortable. Et c'est un mémoire de forme en fait, 3,49€. Voilà, il y a différentes couleurs. Petit cadenas, voilà, avec code. Donc il y a différentes couleurs à 2,87€. Les sangles à bagages, ça c'est pas mal aussi. Sangles de bagages, 5 x 180 à 99 centimes. Jaune, orange, rose. On a aussi les étiquettes de valises à 65 centimes. Il y a différents modèles. Des petits masques pour les yeux. Voilà, 85 centimes. Donc là, il y en a plein. Là, ce sont des petites lingettes pour lunettes de WC. Il y en a 10. 61 centimes, un petit format à emporter avec soi en voyage. Nettoyant siège de toilette, donc ça c'est bien franchement pour désinfecter avant de s'asseoir. 100 ml, 1,03€. Là, il y a un petit spray, c'est un distributeur, donc deux voyages, 4 en 1. Il y a 4 flacons à l'intérieur et vous pouvez mettre par exemple, ça peut être une crème, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Et en fait, il vous suffit de tourner et puis vous allez choisir le flacon que vous voulez. Voilà, c'est 40 ml par flacon à 1,98€. On a aussi les chaussettes de contention à 1,99€. Ici, on a des petits sachets. Ça, c'est vraiment pas mal. Hop, que vous mettez dans votre valise. Sac à chaussures, en fait. Comme ça, vous mettez vos petites sandales, vos chaussures et ça ne salit pas vos vêtements. 23 par 44 cm. 1,16€. Froyac, sac à dos, repliable. 30 par 16 par 42, 2,22€. Ici, on a des sangles, bagages plus serrures. Donc, à combinaison, comme ça, 1,99€. Là, on a le petit pèse bagages. Franchement, si ça fonctionne vraiment, c'est plutôt pas mal, ça. Parce qu'en fait, quand on part en vacances, on est à la maison. On a la balance, en fait, pour se peser, tout ça, pour peser les bagages. On se dit, tiens, c'est bon, j'ai pas dépassé les 20 kilos, c'est bon, c'est cool. Et au retour, on achète des cadeaux, on achète des choses pour nous, etc. Donc forcément, les bagages sont un petit peu plus lourds. Et là, on est parfois à l'hôtel, ou bien on n'est pas spécialement à la maison, on n'a pas forcément de balance. Donc franchement, moi, je suis pour ça. Ah ouais. Alors, à voir comment ça fonctionne, mais en soi, c'est une bonne idée. Pèse-bagages numérique. 2,76€ celui-ci. Il y a du noir, du gris, vous voyez, du jaune. Il y a plein de couleurs. Donc là, on a des petits coussins. Tête, nuque, gonflable. Ça a 99 centimes. Regardez ça, canne à pêche télescopique si vous souhaitez pêcher. Et regardez, elle ne prend pas de place du tout. C'est une petite canne à pêche télescopique. Fibre de verre avec harnais à 3,99€. Regardez les amis, on a des toilettes portables. Ouais, ça peut être pas mal franchement. Vous mettez en fait un sac poubelle en dessous. Donc il y a une petite image là où on voit clairement ce que c'est. Charge maximale, je crois que c'est 5 kg. 5 kg, ouais, c'est ça. 37 par 36 cm. 37 de diamètre, 36 de haut, 19,95€. Alors ça aussi, hein, franchement, c'est pas mal, le petit éventail espagnol. Ça, c'est toujours bien à avoir dans son sac. Il y a des moments où voilà, tu as un petit coup de chaud. Petit ventilateur naturel. Voilà, 79 centimes. Il y a plein de couleurs. Il y a ces quatre couleurs là en fait. Bleu, rouge, noir et jaune. Il y en a d'autres ici là. Alors, il y a aussi ces ventilateurs brumisateurs. Alors, ça, j'ai bien envie de tester. Je n'ai pas encore acheté. Je n'ai pas encore sauté le pas. Ça peut être pas mal aussi. Donc celui-ci, il ventile. Ok. Et ça fait brumisateur aussi, donc vous mettez de l'eau, 2,99€. Sinon, vous avez ceux-là à 1,89€. Ouais, ben ça aussi, hein, ça ventile. Donc là, c'est en plastique, et là, c'est un peu, enfin, c'est genre en mousse. Ouais, 1,89€. Alors ici, on a les crèmes solaires. Il me semble qu'il y a que ça en promotion. Donc je vous montre là. Vous avez celle-ci, 50 ml, 1,95€. Pour les petites, 1,95€. Indice 30 ou 50, ça dépend. Vous avez celle-ci, indice 50 à 2,99€. Là, c'est sous forme de spray. Donc, les solaires, 4,29€. Indice 50, c'est 200 ml. De toute façon, pour tout cela, il y a 200 ml. Donc, on a ce spray
50 plus 4,95, un 10 30 3,95 €. Ici, on a sous forme de roll-on à 2,95, 50 plus 100 ml. Après, vous avez cela, un 10 20 30 3,79 €. Celui-ci, il est là, il va là. Ok, 1,99 € pour celui-ci, un 10 20, 200 ml. Un 10,50 € pour celui-ci à 3,95 €, 200 ml toujours. Là, on a un spray après soleil, 1,95 €, 200 ml. De l'huile solaire, 2,95 €, 200 ml. Sinon, plus bas, vous avez ici là, un gel en fait. Un gel après soleil, 200 ml, 4,95 €. Celui-ci, 5,95 €, 200 ml. Ici, 50 ml, 5,95 €. Et c'est un 10 30. Et là, c'est de la marque Garnier. Voilà, Garnier. Ici, on a le petit spray au visage, 300 ml, 1,79 €. Donc là, on a les serviettes de plage Ibiza, les rondes. Il y a plein de modèles, vous voyez, plein de coloris, tout ça. C'est 8,49 €, 150 cm. C'est vraiment de jolis modèles. Hein. Ils sont vraiment très jolis. Donc 8,49 €. Après, vous avez ceux-là, les serviettes de plage. XXL, 100% coton, c'est du 100 par 200. 10,95 €. Après, on a... Là, c'est les serviettes Hammam avec imprimé à 9,98 €. C'est 90 par 170. Ça, c'est pas mal aussi. Ce sont des serviettes spéciales chaise longue, en fait. Une espèce de petit ourlet où on peut mettre ici au niveau de la chaise. Ça se retourne, vous voyez. 80 pour 200 pour avoir un bon maintien donc de la serviette. 6,98 €. Ici, on a les sacs de plage tressés. Les sacs de plage sont à 6,99 €. On a ce modèle. Donc celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est pas un sac de plage, c'est un sac style isotherme. Je crois que celui-là, c'est pareil. Les sacs de plage, il n'y a que ce modèle-là. Ceux-là, ce sont des sacs normalement isotherme qu'on retrouve dans le rayon l'autre côté, saison. Je ne sais pas s'ils ne sont pas au même prix d'ailleurs. J'irai voir. Il me semble que j'en ai pas vu. Ouais, normalement, ils sont par là et non, ils ne sont pas là. Je reviens sur ce que je vous dis souvent, n'hésitez pas à acheter lorsque vous trouvez quelque chose en rayon qui vous plaît pour cet été par exemple. Ne dites pas oui c'est bon, je reviendrai d'ici un mois. Parce que moi la première, il y a des moments j'aime pas m'encombrer, je me dis allez c'est bon. C'est pas le moment de prendre genre les bouées etc. pour les enfants. Mais je sais qu'au moment où je les voudrais, ça c'est automatique hein, chez Action. Quand tu veux un truc, tu viens, tu le trouves plus. Donc autant prendre et le mettre de côté. Surtout qu'en plus de ça, ils ramassent très très tôt. Enfin... J'abuse un petit peu, mais ils ramassent tôt quand même. Ils ont une saison décalée, hein, d'avance. Donc là, ils commencent déjà à mettre tout ce qui est fourniture scolaire. Et genre au mois d'août, je me rappelle très bien l'année dernière, au mois d'août, ils avaient ramassé la saison. Ils commençaient à mettre tout ce qui était pour, tout ce qui était saison pour septembre, quoi. Mais tout ce qui était été, ils avaient tout ramassé. Genre on était mi-août, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Donc là, on a les tongs femmes du 36 au 41. Elles sont à 1,59 €. Après, on a les sabots comme ça, jardin, rose, bleu, 4,49 €. Il y a les poupées LOL, Spider-Man, etc. Plus bas, on a les tongs enfants à 1,39 €. Il y a aussi ceux-là. Après, là, on a les tongs, 3,59 €. Voilà, ça c'est femme. Les filles, sabots filles, ceux-là avec la lumière, sont à 4,99 €. Après, on a ces claquettes avec ce quin. C'est 3,99 €. Ceux-là, je ne sais pas si c'est au même prix ou pas. Sabot garçon, 4,99 €. Là, c'est quoi les claquettes? Oui, Ambro sont vraiment très très bien. Ceux-là, j'en ai pris pour mes enfants. 30, 35. 5,59 €. Ici, on a les claquettes bleues ou noires. C'est du homme. Ça va du 41 au 46 à 3,59 €. On a également celle-ci, les pantoufles confort. 4,49 €. Homme. Après, on a celle-ci en femme à 2,79 €. Rose, noir, bleu. Ça va jusqu'au 41.
Regardez ce genre de set set de tennis, ça passe aussi, ça c'est bien d'emporter ça en vacances. Jouer comme ça, blablabla. 2,49. Et ah, il y en a d'autres avec un petit volant à l'intérieur, et à ce moment-là, ils sont à 3,99. Sinon, c'est encore mieux, on a un petit sachet comme ça, un petit set de jeux, sport d'été avec pas mal de choses. Ça c'est bien franchement d'emporter ça. Il y a des pour la piscine, pour l'extérieur, des petites raquettes en petit ballon et tout. Un petit pistolet à eau, 8,95 € les amis. On a ici encore des serviettes de hammam, elles sont plus petites, celles-ci c'est 90 par 170 à 4,29 €. Voilà. Là on a des serviettes avec imprimé en microfibre, elles sont très jolies. Il y a de jolies imprimées dessus, elles sont à 6,79 €. C'est du 100 par 180 cm. Je continue avec les chapeaux. Chapeau, c'est femme, c'est écrit femme, mais pas du femme ça, c'est d'accord. 2,99 €. Je pensais que c'est du enfant-fille ça. Cela, 2,49 €. Les casquettes, 1,99 €. Après, vous avez les chapeaux enfants. Ceux-là, ils sont à 1,99 €. Après, les lunettes, c'est pour les petits. 1,29 €. Après, en lunettes, c'est un petit peu le bazar, là, faut chercher. Femmes, c'est 2,99 €. Et hommes, pareil, non, 2,59 €. D'ailleurs, pour hommes, on a ces casquettes-là. 2,59 €. Ou celle-ci, 2,99 €. Après, en maillot de bain, il n'y a pas trop trop de choix. Vous avez ici, enfin, je pense que ça part vite. Hein. Vous avez les ensembles, celui-ci, 6,99 €. Ça, c'est pareil. Après, on a celui-là aussi. Là, c'est un enfant. C'est enfant, ça. Ok, donc là, tout ce qui est short de bain garçon, 4,79 €. Il y en a d'autres là. Là, il y a encore du 2. Non, c'est un maillot, une pièce. Il y a celui-là ou celui-là. Il me semble. Non, ça c'est bikini. Je sais pas. Je sais pas le prix par contre des maillots de bain, une pièce. Ah, voilà mes petites pommes d'amour. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo spéciale vacances, je vais appeler ça comme ça, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.